Et apparemment, on est parti. Pas fini de manger. On fera avec. Désolé, hein, c'est un petit peu délicat, mais les horaires du stream. À partir de 18h, hein, je commence à avoir faim. Et on est sur Tilt. Il me semble qu'on était déjà tombé sur Tilt contre l'iFocus. C'est Soska qui s'élance sur la droite. Allez, on est en demi-finale. Vous êtes bien sur la Red Star TV. Et c'est les Red Stars face à la team iFocus. Allez, c'est bien pris là sur Stevie. Soska face à le défenseur. iFocus casse pas. Et celle sur la première enquête de casse pas. Et qui est passé. Soska qui a pris de la hauteur. Allez, c'est pas pris là sur Sense. Et ça passe maintenant face à casse pas. Et Soska qui met la première attaque. Ah ouais, effectivement, je crois que j'ai mon chat qui bug. Allez, Sense. Un peu d'auteur. On a pris le grappin là, pour faire un petit peu la surprise. La bonne recade de Xenob, la bonne agression. Ah, désolé s'il y a des bruits de ventre, des bruits de gorge. Ça veut faire bizarre. Un point d'armure là pour Sense. Face aux trois défenseurs et SARS maintenant, on est bien. On va pouvoir atteindre ce premier break, peut-être, pour la team Red Stars. Voilà, c'est bien défendu. Xelom qui met le petit décal roquette. Avec Xenom qui prend de la hauteur et qui tente le kill sur Stevie. Ah, dommage, l'erreur de Caspa. C'est pas passé loin, 6 cm. Avec Caspa qui défend bien sa position. Un point d'armure là pour Xenom. Il nous reste maintenant 6 secondes à l'emprise du pôle. Ça va être dur là pour Xenom d'aller chercher. Et là j'ai pas vu Caspa faire un décal. Mais c'est bien joué. Bonne défense de la part des iFocus. On n'a pas réussi à trouver un seul joueur au bout du rail. C'est Caspa maintenant. Deuxième attaquant qui se lance avec la bonne touche de Soska. Qui met d'accord d'entrée de jeu. Allez, pour l'instant, les iFocus, enfin Caspa qui était un petit peu perdu, j'ai l'impression. On attendait quelque chose, un décal. Et la défense Red Stars qui était au taquet. On est à 3-1 en faveur de Red Stars, cette première map. Et c'est Legi. Il décolle, on va prendre un peu de hauteur. Ah, la première roquette de Stevie. Ah, ça fait tomber. Agit au mauvais endroit. Dans la fosse. Ah, c'est bien défendu. Stevie qui met cette deuxième roquette. Agit pour l'instant qui a trouvé aucun joueur de la team iFocus. Ah, c'est dur. Allez, on est dans le timer maintenant. Et Stevie
La dernière roquette a toujours une attaque de différence pour les Red Stars et on passe à Stevie Outlaws. Stevie. Allez, on va prendre un peu de hauteur. On a tenté hein, le pad. Alors le pad c'est qui tout double, hein. C'est soit on perd du temps, soit on arrive à faire un premier kill. Les joueurs savent maintenant qu'il y a que le pad ici, c'est voilà, on peut bien esquiver, bien se cacher. Allez, Stevie directement dans la zone du pôle maintenant. On va essayer de prendre un peu de hauteur. Et c'est pris sur les J. La défense Red Stars qui a un petit peu reculé. Difficile là de prendre le bon backup, la première roquette de Soska qui passe, c'est Xenom qui tente de défendre. Et malheureusement pour Red Stars, ça ne passera pas. On a eu un souci de rapprochement là, la défense qui était très éloignée de Stevie. Alors désolé, je termine de manger tranquillement. Là c'est déjà froid. Et après j'attaque ça comme il faut. Il me reste 2-3 trucs à manger là. Je sais, je raconte ma vie. Mais voilà. Allez, c'est ce qu'est la première touche de Stevie. Ah, c'est dommage, c'était bien joué. On a pu avoir une bonne feinte. Et ça passera pas là, les live focus qui sont pas dupes. Pour l'instant. On est revenu sur le score. Il y a toujours le petit avantage du coup côté et focus. On commence à défendre. ASN sur le pad. Et vous voyez hein, les joueurs qui se montrent pas. ASN qui va tenter une intrusion directement en plein cœur de la défense des Red Stars, première roquette de Soska. Et qui va rentrer. Allez, c'est dur là pour Sense qui se retrouve face à Xenom et c'est Soska qui vient lui coller deux roquettes dans les côtes. La triplette de Soska sur cette défense. Et on passe à Xenom. Alors ça peut être drôle aussi hein, de commenter avec des trucs avec une patate dans la bouche. Avec Xenom, enfin ça casse pas. Là encore quelques casse pas et qui passe bien. Ouais, sur le côté de gauche et ça pleut des roquettes. Difficile pour Xenom d'avancer. Plus qu'un point d'armure pour l'attaquant Red Star, c'est compliqué, il reste 4 secondes maintenant pour aller chercher le pôle. Commencer une première approche. Ah, c'est bien tenté. Peut-être le tout droit c'était pas la meilleure solution, mais on a tenté quelque chose. Allez, toujours un partout au niveau des attaques. Allez, Kaspar. Allez, c'est peut-être une bonne position ici. On va chercher le kill sur l'EJ. Pour l'instant, on n'a rien trouvé. On casse pas, on a 8 secondes. Allez, Rocket qui passe pour Xenom. Oh, c'est le duel maintenant. Allez, l'EJ qui est venu à Soska, pardon. Du consolider là, son partenaire. Cette défense, on a 8-7 secondes. Ah, ça va être dur là pour Kaspar, même s'il se dépêche d'aller sur le pôle. Ah, c'est impossible. Au niveau du timing, je sais pas si ça aurait été possible de claquer toute sa stamina. A mon avis, c'était short de chez short.
Allez, J. Sur la gauche. Ah, mais voilà. Avec l'agression à deux Caspa dans l'herbe. Attention, c'est pas puni. Caspa qui agresse bien. Et c'est toujours pas puni de la part de Léji. On n'arrive pas à faire ce kill. Et c'est l'agression totale, totale de Caspa. Voilà, les roquettes là, ils sont vraiment pas passés loin. Le bon spam de la défense. Allez, Stevie sur la droite. On est au cœur là de la défense. On va prendre un peu de temps pour prendre un kill peut-être sur Léji. Elle s'est manquée la première roquette de Léji du coup. Qui fait tomber l'attaquant. Ah, c'est bien vu ça sur Xelom. Allez, J qui fait. Qui fait la triplette. Salade tomate oignon. Sur ce round. Et ouais, Caspa qui était. C'était free hein, sur Caspa, mais Léji il était. Je pense qu'il était un poil. Un poil en mode pression. Allez, Soska maintenant pour les Red Stars. Allez, c'est pas fini là sur Sense qui va bien régresser sûrement. Ah, la défense là qui est bien repliée autour du pôle. Et Soska qui a tenté la cape. Ah, dommage qu'il y a eu ce petit saut. Caspa et Stevie qui en ont profité là pour lui coller des bonnes beignes de chaque côté. Et c'est Sense maintenant qui décolle toujours avantage hein, côté iFocus. Sense qui tente de faire l'ascension de l'Everest. Ah, c'est pas pris sur les J. Attention, ah, qui peut passer loin sur Soska. On a vu peut-être le bon pré-shot. Allez, c'est fait maintenant. Allez, J qu'on profite pour lui mettre une petite roquette. Pardon. On est à 2 secondes maintenant, plus qu'un point d'armure là pour Sense face à Xenom. Et les J. Allez, c'est puni pour Xenom. Qui avait pas backup. Qui a cherché le 1 contre 1. Il avait un peu faim avec Xenom pour l'instant. Qui se défend bien son pôle. Et voilà, Sense qui met le mauvais coup de rail. Et toujours égalité pour cette première map. C'est l'homme sur la droite, je pense qu'il a été sound. En tout cas, ça balance un tas de roquettes. Allez, c'est parti, il a été entendu maintenant. On a pris la bonne position, peut-être. Allez, c'est pas prié sur Stevie, attention. L'agression de Stevie. Allez, c'est dommage pour Xenom, c'est bien tenté. Il a voulu faire un petit peu de changement. On est quand même au taquet, excusez-moi, j'ai des renvois. Je pense que ça s'entend. Alors qu'est-ce qu'il veut nous tenter, Caspa? Prendre de la hauteur avec l'arbre. Why not? C'est aussi une idée. Ah, Caspa sur Xenom, 1 cm. Mais vraiment pas passé loin. C'était quasiment offert. Allez, 3 secondes, on a perdu un peu de temps là à faire tout un tas de. Du trapèze ou je ne sais quoi.
On casse pas et face à Sosuke et Leji maintenant, le point d'armure. Allez, la roquette de Leji qui passe. Allez, c'est bien vu. On a quand même réussi à faire un kill hein, pour Caspa. Il était prêt à prendre ce pôle. Et la bonne roquette de Sosuke qui est venue terminer la partie. Et c'est Leji maintenant qui s'élance à la 8 partout. Toujours avantage Kota, il focus. Ah, il faut pas laisser cet avantage là, il faut revenir. Il faut mettre ce round pour les Red Stars là, pour espérer remporter cette première map face au High Focus et aller décrocher la place en finale. ASN qui met cette première roquette. Ah, décidément, la Leji qui est mal partie. Alors, on a failli la prendre la troisième là. Heureusement qu'il y a eu le petit muret. On a pris de la hauteur. On va prendre le backup peut-être de Caspa. Pour l'instant, c'est pas puni. C'est difficile là pour Leji de faire quoi que ce soit. Ah, Toto, ouais, c'est un peu. Le mongol quoi, enfin voilà, le troll, ce que tu veux, Tsunaki, tu peux mettre une image dessus, un peu ce que tu veux quoi. Allez, la bonne défense de Xelom qui met deux roquettes face à Stevie, plus qu'un point d'armure là, ça commence très mal pour l'attaquant, High Focus. Allez, les roquettes, il passe pas loin, on va tenter peut-être un kill sur ce Sosuke. On agresse bien là du côté des Red Stars. C'est bien fait. On fait de la bonne diversion là et c'est largement acceptable sur cette map à cause des pas mal de branches qu'il y a entre les couloirs. Je rappelle qu'on a deux arches. Pour s'amuser, voilà, avec l'attaquant. Un arche, pardon. Allez, Sosuke qui décide de passer directement dans le cœur de l'arène. Allez, qui n'est pas tenté. Plus 3 secondes maintenant et ça va assez vite. On est dans le timer, Sosuke a 3 points d'armure, on a vu Stevie qui était au-dessus. Ah, il va essayer de prendre l'initiative, peut-être Sosuke d'aller chercher la cape. Et c'est dommage, ça a été bien bump de la part des High Focus. Ah, c'est bien tenté, mais ça ne passera pas cette fois-ci. Oui, c'est ça, il demandait la signification. Bah, je te l'ai dit, Naki, c'est. Ça veut dire que c'est un neuneu, enfin, c'est un couillon. Tu peux mettre l'image que tu veux hein, sur Toto, à moins que Fritz ait la meilleure explication que moi. Allez, Sosuke qui défend très bien là, la bonne réception avec la double roquette dans le rectum. Allez, c'est bien vu, hein, ça, on a voulu décaler. La défense, Red Star avec Leji, Xenom. Allez, c'est bien défendu. 10 partout. C'est un match qui dure très longtemps. Xenom sur le côté gauche maintenant. Le kill qui est pris sur Caspa. On est les deux bonnes touches là de la part de la défense. High Focus. Ah,
Ah, c'est dommage pour Xelom. C'est bien défendu de la part d'iFocus. Alors, restons calmes sur le chat. On s'insulte pas, hein, merci. Alors, restons zen. On est là pour se mater du bon match Shootmania avec Kaspa. Avec Kaspa sur la gauche, on a vu Soskar avec Xenom. Peut-être. Kaspa qui va chercher à prendre Xenom sur son backup et pour l'instant assez bien défendu là, les bons décals, ça va très très vite. Kaspa qui va prendre un peu de hauteur, on arrive dans le timer, ça va être difficile la face aux trois défenseurs. Red Stars. Allez, c'est bien, bien défendu pour le Red Stars, on est à 11 partout. Allez, Ligi, sur la gauche. Perd un petit peu de temps, peut-être sur le pont, à vouloir apprendre un décal, sachant qu'il y a eu l'info, comme quoi il est en haut, donc ça sert à rien. Personne qui va y prendre. Et c'est qui sur 16? Bien fait là, de la part de Léji, on arrive dans le timer maintenant, il va essayer d'aller cap, et c'est possible pour Léji, ça passera pas, dommage. Et high focus. Ah, qui défendent bien. Ah, Stevie pour les high focus. On a fait le premier kill sur Léji. Là, ça passera pas sur Xelom. Ah, Xelom qui est revenu sur sa position. C'est un petit peu dommage là. Il restait plus beaucoup de temps. On se trouve avec Soska maintenant. Peut-être que les high focus vont remporter la première attaque. Enfin, la dernière attaque du coup. Vu que c'est pour la victoire. Et non! C'est défendu Soska, voilà, qui rentre Stevie dans le trou. Et impossible de s'en sortir. On est à 12 partout. Et on est revenu avec Soska. Allez, Soska, quart de 4 cm tout à l'heure. C'était bien vu. La première roquette de Sense. Ah, il l'avait lu, hein. Il l'avait lu. Il a 4 secondes, la Soska qui a perdu un petit peu de temps à vouloir tenter ce genre de move. Maintenant, il faut faire face à toute la défense. High focus, c'est difficile. Kaspa qui est derrière la grille, qui agresse non-stop. Soska. Ah, c'est bien pris, sans Kaspa. Il perd pas son sang-froid là, Soska. Les roquettes qui passent pas pour la défense, High focus. Et ça passera là pour Sense. Et c'était très chaud. 13 à 12 et toujours en faveur des High focus. Va-t-on en finir? Allez, Sense, directement sur le pôle entendu, hein. Xenom qui met la bonne roquette. Allez, on est bien en position là du côté des Red Stars. Et c'est Soska qui va terminer le round de Sense.
Assez difficile, hein, même pour la focus, d'aller chercher le moindre round. On est au taquet. Et c'est Xenom qui repart. On est à 13 partout. Allez, surcasse pas, ça va pas rentrer. Là, on arrive bientôt au stade où c'est les premiers qui vont commencer à fatiguer. Et voilà Xenom qui se fait punir de son entrée dans l'arène. Stevie et Sense là qui sont au taquet. 14 à 13. La première équipe qui sera fatiguée, qui va lâcher l'affaire, va terminer son match, enfin son round, sa map. Casse pas maintenant. Qui tente de prendre un peu de hauteur, on va peut-être avoir le premier kill sur Xenom, on le cherche là, Légie qui met la bonne roquette. Attention, ça va agresser sur Légie, ça passera pas. Ce Ska qui aura toutes ses roquettes. On a deux points d'armure là pour Kaspa, il reste 6 secondes maintenant. Toute la défense, Red Stars qui va revenir au pôle Légie, qui vient agresser Kaspa directement, attention! Et là, c'est difficile pour Kaspa qui est tout en bas. Qu'est-ce qu'on va tenter? Le kill sur Xenom, ça passe. Attention sur Soska. Légie maintenant de retour au pôle. Ah, c'est pas pris. Légie, il aura pas le temps, Kaspa. Et on a failli passer à côté de la catastrophe, là, du côté des Red Stars. Attention à ne pas fatiguer. Ne pas plier là devant la durée du match. Allez, Légie. Allez, il faut creuser. Il va falloir leur réussir un coup de poker pour aller emmener Red Stars en finale. Face au Red Focus là, c'est difficile sur cette première map. La première roquette qui passe de Stevie. Ah, l'agression, on a Sense qui est parti avec Légie là sur le trou. Et Légie qui se prend la dernière roquette de Stevie. Très longue roquette d'ailleurs. Ah bah c'est fini! Ah d'accord, ok, on se plie aux règles SL. Ah, c'est une des rares fois où je joue à ça là. Ok, bon bah round limite à 15. On décide de jouer les règles, ça marche. Ah bah écoutez, la première map remportée par iFocus. Généralement, ça se joue un petit peu plus dans l'honneur de gagner avec le round d'écart, mais bon, je ne peux en vouloir à personne. Ce sont les règles. Allez, on va passer sur. Ouais, je sais ouais, que c'est les règles. Mais bon, souvent elles sont un peu contournées hein, pour gagner le match correctement. Et du coup, ce sera Rust. Jeter un oeil peut-être. Ah bah non, je peux pas.
Alors, et bah c'est parti. C'est parti, la deuxième map entre iFocus et Red Stars. Première map remportée par iFocus. 15 à 14. Et donc c'est les bleus qui vont commencer à attaquer. Ce sont les iFocus avec Sense, si je me trompe pas. Voilà. Allez, deuxième map, peut-être dernière map de ce match. Avec Sense. Personne sur le pad, d'un côté Red Stars. Ici, d'aller chercher les J, le rail qui passera pas. Allez, on prend un peu de hauteur. On a vu Xenom. Les roquettes là qui passent pas loin. L'attaquant est focus, vraiment pas loin. Allez, c'est pris sur Xenom. On a cherché la petite escape. Les J, il va devoir revenir. Soska qui est déjà là. Attention, il va falloir aller sur le pôle. Les J qui est en place. Allez, Sense. Face à Soska et les J. Et on n'est pas sur le pôle, hein. On essaie de garder ses distances. Pour pouvoir prendre le joueur en crossfire. Les J qui est pas sur le pôle, et voilà. C'est la punition. Sense qui met cette première attaque. Peut-être une erreur de position de la part des Red Stars. Et c'est Soska maintenant qui va tenter là de rattraper tout de suite ce score. Et le premier coup de rail de Sense. Généralement c'est Stevie qui se trouve là. Je crois qu'il y a deux joueurs. Je me trompe pas. J'ai l'impression qu'ils sont deux sur le pad. Stevie qui est revenu sur son pad dans la Sense. En bas. Allez, c'est pas puni ça. Soska, un seul point d'armure. Face aux trois défenseurs, ça va être dur. Très dur pour Soska. Et voilà, c'est puni Kaspa. Qui va mettre cette troisième roquette. On est déjà à 2-0 côté iFocus. Premier break créé par la team anglaise. Enfin, je sais pas s'ils sont tous anglais, mais... Team iFocus, hein, qui sont de plus en plus présents dans les cups. Et c'est assez cool de voir quelques teams étrangères, hein, qui continuent à percer sur le jeu. Allez, Kaspar. Ah, c'est bien défendu ça de la part de Légy. Qui met cette première touche. Avec Xenom et Soska. Chacun une roquette. Premier round remporté par les Red Stars. Et on passe à Xenom. On a vu Sense là, qui allait sur le pad. Avec Stevie. Ah, ils sont deux dessus, hein. Ils cherchent à faire du dégât. Pendant que ça va, casse pas. Et c'est très difficile de passer justement à cause de ça. On a Sense et Stevie qui sont à l'affût. Qui sont en train de scope. Et tout le monde sait que c'est très. C'est plus simple d'être sur le pad et de toucher. Grâce au zoom. Kaspa qui met la pression. Le temps que le joueur voilà, prenne l'initiative d'y aller. Allez, c'est bien pris sur Xenom. Stevie, encore sur son pad. Qui est décidément trop à l'aise sur cette partie de la map. Et Soska, et cette punition. Allez, on est avec les J maintenant. 3 points d'armure pour, Soska, pour Stevie. Et voilà, Stevie qui met le round parfait. 3 rails, 3 morts. 4 à 1. Pour les iFocus, et ça commence à faire mal là pour Red Stars. On a des trous dans la défense. Allez, les J qui punit Sense directement sur son pad. On a
Caspar est toujours à la grille et Stevie qui se prépare sûrement à réceptionner les J. Allez, J qui prend de la hauteur, on a vu Stevie. Caspar qui revient tout doucement et qui fait le tour. Allez, J qui va tenter la cape face à Stevie Caspa. C'était un peu compliqué là ce qu'il a fait. Ça aurait été difficile là de cap avec un manque de stamina quand même, je pense. Et c'est Sense maintenant qui décore la sac 1. Sarza qui arrive pas à reprendre le dessus. Avec l'écart qui commence à être assez énorme. Alors, parce qu'on va essayer d'aller faire un scope sur Xelom. Sur le mid pour l'instant, on regarde où est Soska. Allez, sur les J, c'est pas pris. C'est le backup maintenant des Red Stars. C'est l'homme qui est revenu. Les J, qui a fait la feuille morte pour aller agresser Sense. Bah, ça a été largement puni, kill sur Xelom, très bien vu. Sense qui est chaud, on fire. Ah, c'est difficile là pour Soska de défendre là-dessus. Et on est à 3 attaques, et ça sent la pilule là pour les Red Stars. 6 à 1, ça fait mal. Les LA et Focus, ils sont bien partis là pour remporter ce match et partir en finale contre Insomniac ou Coreplay. J'ai pas encore le résultat du match. Et la roquette de Sense qui rentre. Ça Soska. Toujours Stevie sur son pad. Allez, bien vu sur Stevie. On a Sense là qui est toujours en dessous. À l'affût. Ah, c'est bien vu, on s'emballe pas. Soska qui garde son calme. 2 points d'armure la face à Sense et Caspa. Allez, c'est parti, on rentre dans le timer maintenant. La bonne agression des roquettes là, ça passe pas loin. Allez, Soska qui va essayer de rentrer dans la zone du pôle et c'est pas pris là sur ce qui casse pas les roquettes qui passent pas loin. Allez, Sense qui met la doublette. Toujours pas d'attaque mi côté Red Stars là. On est un peu dans le flou. Allez, c'est Caspa qui s'élance 7 à 1. On arrive vers la fin de ce match. Et si Red Stars ne reprennent pas les choses en main, ça va être difficile. Allez, casse pas. Prends la hauteur. C'est puni sur les J. On est quand même la bonne requête. Il est pas mort pour rien, les J. Allez, 2 points d'armure, casse pas. On a Xelom qui est déjà sur son pôle. L'agression de Xelom. Et c'est pas puni. On a Soska qui va revenir tout doucement. Et ça tente la cape du pôle. Allez, c'est pris. C'est pris les Red Stars qui sont un peu au fond. Au fond. Sur ce match. Face au iFocus. Balle de match pour les iFocus 8 à 1. Ah, je peux vous dire, ça fait très très mal. Ça fait très très mal. Avec Xenom. Et c'est encore possible de remonter hein, pour les Red Stars. On est capable de tout. Voilà le premier kill sur Caspa. Allez, Sense qui est en train d'agresser. Ça passe pas pour Sense, sa première roquette de Stevie. Ah, ils sont à l'agression tous les deux là, les joueurs. Ils focus. Avec Xenom qui s'empale. Attention contre la défense. Plus qu'un point d'armure là pour Xenom. Allez, il prend de la distance. Et c'est pris là sur Stevie. Xenom peut le faire, le duel face à Sense. Il tente la gap et ça passe, voilà. L'attaque de Xenom qui réussit. La petite remontée de Red Stars qui fait du bien. Deuxième round qu'on a réussi à caler. Red Stars qui reviennent, peut-être qu'ils se sont remis un petit peu les esprits en place.
C'était pas voilà, des grandes choses qu'on a fait juste avant. Allez, Soska qui réussit la première enquête sur Stevie. Le plus zéro là qui sauve Xenom. Allez, ça défend bien là. Xenom qui va se faire punir. La dernière roquette là qui peut être placée maintenant sur Stevie. Plus qu'un point d'armure. Bon, l'attaquant il focus. Il reste 15 secondes. Il a encore le temps, Stevie, de faire ce qu'il veut. Prendre un peu de hauteur. Jouer avec les défenseurs. On a Legi qui est derrière en train de revenir. Et c'est l'agression de Soska qui va passer. Troisième round mis pour les Red Stars. Et tout se joue maintenant sur Legi. Qui est largement capable de mettre cette attaque. Attention là, est-ce qu'on va avoir un rush de la part des iFocus? J'en ai peut-être malheureusement bien l'impression. Allez, le rush, va falloir le prendre bien. Ce rush, on a Stevie à la réception de Legi. Allez, elle passe son palier sur le côté, c'est pris sur Stevie. La première roquette qui est quand même passée. On a Kaspa derrière la grille. Allez, c'est largement possible là pour Legi. Il faut absolument remettre cette attaque. Il peut le faire, Legi, il peut le faire. Et c'est pris sur Sense. Le duel maintenant face à Kaspa. Et Legi qui va rentrer cette attaque. 8 à 4, on remonte. On remonte nos taquets côté Red Stars. On veut pas perdre ce match. On est remonté 8-1. On est passé à 8 à 4 et c'est Sense maintenant qui démarre. Allez, Sense sur le côté droit. On va chercher peut-être le kill sur Soska. Allez, c'est pas pris sur Xenom. La bonne agression, Xenom et Soska. Qui mettent la bonne défense. Allez, on a encore deux attaques à placer. C'est largement possible. On peut le faire. Les Red Stars peuvent le faire. Et c'est Soska qui démarre. Plus motivé que jamais. Allez, Stevie sur son pad toujours. La bête féroce là, des Dive Focus. Passionné de pad. Allez, c'est bien puni ça. Stevie qui a voulu backup un peu bizarrement. Allez, Kaspak sur la droite, on a Sense qui est prêt à réceptionner là Soska. Le réel qui passe pas. On arrive dans le timer maintenant, les 15 secondes décisifs de ce match. Allez, Soska, Kaspa là, qui met ses premières roquettes. La double roquette de Kaspa, l'agression maintenant. Et alors, elle qui passe pas, c'est fini pour Soska. Et les Red Stars là, qui n'arriveront pas à remonter totalement ce match. Mais belle remontée quand même de la part des trois joueurs. GG, ouais, Focus, qui remporte ce match. Et direction la finale maintenant. Les iFocus contre... Et ben on va voir ça tout de suite. Faut juste que je retrouve la... J'ai plus le bracket. Il n'y a plus le bracket. Ah merde, j'ai pris celle de Joust. Ah, quel con. Je me suis trompé de cup. C'est celle-là. Alors. Et bah ce sera contre Insomniac. iFocus Insomniac.
Et ça a joué sur moi ici. Ou sur le serveur Insomniac. On va attendre 2 secondes. Les Insomniacs qui ont battu les Corplay. Alors, est-ce que ça se... Je pense que ça va peut-être se jouer sur... sur Insomniac Private. Yes. Ah, j'ai regardé un truc en attendant. S'il y a bien demain la E2G Tournament. État historique, c'est ça. Non, c'est pas celui-là. C'est celui-là. 10 février à 20h30. Alors c'est un tournoi. Alors faites attention ceux qui participent au tournoi. C'est sur le nouveau map pool. Et il n'y a que 5 maps. D'accord. Bon. Alors ce sera un tournoi avec 5 maps. Collided, Paladin, Rust, Spitfire ne seront pas joués. C'est bien précisé. Donc ce sera une cup à 5 maps avec 4 bans donc jusqu'en quart et 2 bans, 2 veto, des quarts jusqu'en finale. Après c'est pas précisé que... Je te jure, hein, je te jure, Can, regarde. C'est marqué ça sur la cup. Ça me surprend aussi, mais c'est écrit noir sur blanc. Les maps là qui sont purées, c'est bizarre. Apparemment, il n'y a plus les 50 euros de ce que je lis. Il n'y a plus d'argent à gagner pour la E2G. Et ça, c'est bien dommage. Un winner et un loser. Alors, oh là là là, ça change beaucoup là de bizarrement par rapport à la première cup. Il y a un winner et un loser bracket. Il y a un winner, un loser, il n'y a plus. Il n'y a plus de cash. Et
Et ça se joue sur que les nouvelles maps. Alors je sais pas si j'aurai les droits de stream, je vais leur demander. La dernière fois c'était un peu le bazar. Pour pouvoir avoir l'autorisation, je vais leur demander parce que le tournoi est plus trop le même là. Et par contre ça commence à 20h30. Yes, je vous envoie ça. Vous descendez un petit peu, c'est en dessous le tournoi CSGO. Donc le tournoi CSGO, il y a 50 euros. Et juste en dessous, vous avez le tournoi à Shootmania. Et il y a des règles qui changent là par rapport à la semaine dernière. Donc bah, n'hésitez pas à vous inscrire, hein. De toute façon demain il n'y a que ça comme cup, il me semble. Par contre, n'oubliez pas, dès la semaine prochaine, c'est les League Gamers en double. Donc lundi et mardi, c'est la transformation de la Week's Cup. Et vous avez donc la cup en 2 jours. Le commencement jusqu'au quart le lundi et le mardi. C'est les demi, les finales, du winner et du loser bracket. C'est plus en 2 semaines, pardon. Et le mardi, vous avez toujours la Casual Cup, là, enfin, je sais plus comment ils l'ont appelé, avec les plus petites équipes qui peuvent s'inscrire pour pouvoir faire plus de matchs et voilà, faire une cup à leur niveau. Pour éviter de se retrouver au premier match face à Somniac ou autre quoi. Voilà. Donc voilà, c'est une petite cup exprès pour ceux qui n'ont pas encore beaucoup le niveau. N'hésitez pas à vous inscrire hein, sur League Gamer, sur l'AE2G Tournament, sur tous les tournois. C'est quand même sympa. On a un tournoi quasiment tous les soirs sur Shootmania et c'est énorme. Profitons-en! Alors, ça blablate, ça blablate, ça blablate, on attend les high focus. Après, au niveau des changements, écoutez, hein, demain E2G, mardi, la suite de la League Gamers, donc la demi, la finale, etc. Mercredi, on a toujours la ESL Series. Jeudi, on a la On Fire Cup qui continue, il me semble, la cup spéciale française. Vendredi, la Zoe Cup de février. Samedi, pas de cup. Dimanche, la Winter. Non, ce sera plus la Winter, ce sera je sais pas, la Spring ou j'en sais rien. La Sunday Weekly On Fire Cup, voilà. Tous les mots mélangés. Allez, on va jouer sur Olsen. Ah, bizarrement, ce soir, on la voit beaucoup. Et je ne sais pas pourquoi.
Ça va pas tarder à commencer, il me manque plus que Sense. La String Cup, ouais, pourquoi pas. C'est un nom qui peut passer. Et encore une fois, un grand merci à tous d'être là tous les soirs. Il y en a qui sont là tous les soirs depuis un certain temps. Et c'est juste magique. Il y a des choses qui vont se préparer sur la TV. On essaye de faire au mieux. Et d'être dispo. Et aussi, je voulais passer un coup de pub pour shootmania.org. Pour les gens, les nouveaux joueurs, etc. Si vous voulez des infos sur tout ce qui se passe dans la communauté Shootmania, que ce soit même les cups européennes, etc. Les changements qui se font à droite à gauche, vu qu'il y en a beaucoup. Allez sur shootmania.org, c'est un site extrêmement bien fait, tenu par des joueurs, des gérants de structures qui sont motivés voilà, pour générer un peu plus de contenu dans Shootmania et que voilà, ce soit pas un jeu ridicule, sachant qu'il a été un petit peu rabaissé ces derniers temps et que en ce moment la communauté revient petit à petit et ça fait plaisir. On a eu une grosse effervescence là pour la GA. Et ça fait plaisir. Vous avez aussi l'Anjou Arena qui est. Je sais pas si elle est pleine. J'ai pas eu d'infos là-dessus. En tout cas, il y a pas mal de gens aussi qui y vont. Elle a 1 000 € de cash prize. Et vous avez la Gamer Assembly où on espère voilà, avoir du cash. Parce qu'il y a quand même beaucoup de monde qui s'inscrit. Plus de 32 équipes. C'est énorme. Je sais même pas s'il y a 32 équipes le soir sur la On Fire, je me rends pas bien compte. Et j'ai bien envie de vous montrer un petit peu ce qui se passe à l'étranger. Au niveau de Shootmania, même s'il n'y a pas grand-chose, il y a parfois des cups américaines qui se font, des pracs. Et j'ai bien envie de vous les montrer. Pour que voilà ceux qui s'intéressent de voir le niveau des Américains ou des équipes étrangères comme les iFocus, etc. Bon, les iFocus, on les connaît donc on les voit souvent. Mais voilà, il y a des teams américaines qu'on peut pas voir forcément parce que ça lag trop quand ils vont jouer contre nous. Mais prochain patch, avec la modification du snapshot, on espère avoir des teams nord-américaines, des teams d'autres continents venir nous affronter pour comparer un petit peu le niveau, même si on sait très bien qu'en Europe, je pense qu'on est au-dessus. Dans le niveau Shootmania, j'ai pu voir des cups américaines et le top USA, ça joue bien, mais c'est pas non plus très ouf. Allez, on est parti dans ce match, la finale maintenant, la Winter ESL Series, la dernière Winter, et c'est Absomniac face au iFocus. On est parti avec Sense, on est sur Olsen, premier round, avec la roquette de Soon qui passe très bien, et Sense là qui se fait décapiter sur le pôle. Allez, 1-0 pour la team Absomniac. Et on démarre avec Soon. J'ai une paire d'images. Désolé, j'ai une petite des petits drops là, à mon avis. Allez, Soon. Coincé là pour l'instant, ça va pas le chercher. Il a pris une première roquette de la part de Stevie. Ah, c'est une map compliquée, hein, celle-là, Olsen. Ah, Stevie complètement greedy qui est venu chercher Soon. C'est fini par être puni. Allez, reste 10 secondes, on a encore le temps pour Soon. Allez, Soon face aux deux défenseurs, iFocus. Allez, c'est bien vu pour Soon, qui fait deux magnifiques rails sur scène, sur Kaspar, on enchaîne, et on en profite pour capturer. En même temps, c'est bien vu là pour Soon, qui crée le premier break pour Insomniac, 2 à 0. Avec Aspa qui prend une grande vitesse,
Et c'est pour l'instant bloqué par Utko, la double roquette. Il a fait très très mal sur Kaspa. Attention, ça peut être puni là, le petit saut d'Unko. Ah pardon, j'ai pas vu sur ma... Salut Tinker. Avec Kaspa qui fait la bonne opération sur Unko. Le triple le rail de Kaspa, la belle remontée hein, qui était mal partie. Et du coup, la belle remontée derrière Focus, on est à 2 à 1. Avantage côté Insomniac, on a commencé la défense. Ah, il y a Unko sur la gauche. On est très resserré au niveau de la défense iFocus. Pour l'instant, Unko, il trouve personne. On reste en hauteur là sur la... la petite plateforme, il reste 2 secondes maintenant pour aller chercher Spawl. La défense qui est toujours vivante, les 3 défenseurs qui vont agresser Unko. Il reste plus qu'un point d'armure là pour l'attaquant, Insomniac. Et voilà Unko qui passera pas. Stevie qui veillait au grain et c'est égalité parfaite de partout. Allez Stevie. Sur la droite là face à Unko. Ah c'est bien défendu là d'Unko qui va taper l'agression. Peut-être la triplette alors. Unko qui finit par être pris là par l'oreille de Stevie. SLK qui est venu consolider la défense de son partenaire. Et là, pour l'instant ça défend bien. 3-2. Allez, 7K qui prend le kill. Non, qui prend pas le kill, pardon. Sur Stevie, et ça allait très très vite là, j'ai pas vu que c'était Sense qui avait touché. Allez, on est parti avec Sense. 3 partout. Deuxième cycle d'attaque. On tente de punir peut-être le décal sur Unko. Ah, ça aurait pu être joué. Ça aurait pu. High Street. Avec mon bon anglais. Amazing. Ah, Sense qui punit sur SLK. Et voilà, directement l'agression dessous. On perd pas une seconde. Ça va très vite. Avec 4 à 3, toujours en faveur des Insomniac. Et c'est Soon qui démarre, qui avait fait une très belle attaque tout à l'heure. Et la roquette, il passe pas loin, on a fini par toucher. Sense qui met la roquette dans l'œil de Soon. Allez, ça va très vite, on essaie de tenter d'agresser Soon. Ça va très très vite, là c'est... La vidéo charge pas. Ça peut mettre un peu de temps. Relance. C'est possible que ça mette un peu de temps. Hein. C'est toujours le stream qui est comme ça. J'espère que t'as une connexion qui tient la route quand même. Allez, casse pas. Il a pas essayé d'aller chercher plus loin Unko. Tenter le diable. Allez, 4 secondes maintenant pour Kaspa. 3 points d'armure. Et ça tente la cape là pour Kaspa. Le bon bump de la défense Insomniac. On n'était pas loin du score là marqué par Kaspa.
Allez, Unko, ça va être pris là sur Stevie. Non, Laurel qui est raté. Ah, c'est bien défendu, hein. Sense qui a prévenu ses coéquipiers. Il est au contact. Et là, il y a toute la team qui débarque. Et c'est bien vu, c'est bien fait. On fait de la bonne communication là de la part des deux équipes. Et c'est pour ça que c'est très difficile d'aller chercher le joueur qui est spawn. Allez, Stevie. Allez, c'est largement puni de la part de Soon maintenant. Allez, il faut en terminer avec Stevie qui arrive à s'échapper. Mais Unko qui finit par trouver le bon angle. 6 à 5, ça va très très vite. Les attaques qui sont difficiles à placer. Et parfois, parfois il n'y a pas grand chose à dire malheureusement. Alors, attendez juste une seconde. Hop. Mettre ça par terre. Je vais me mettre en mode Caraïbe. Voilà. Hop là. Allez, c'est le cas. Ah, ça m'étire un petit peu parce que pas mal de temps là qu'on est là tous ensemble. Que je me mets à mon aise. Allez, Sainz qui met cette première roquette sur SLK. Attention à ce saut de trop, c'était puni par Stevie. Allez, SLK, un point d'armure. On n'est pas loin là de la fin du temps. 10 secondes maintenant pour essayer de prendre un kill. Ça aiderait bien là l'attaquant Insomniac. Et ça passera pas, Kaspa. Tu vas mettre ce bon pré-shot. Est-ce que c'est moi qui commente la cup jeudi? Moi je commente tout le temps. Ah! Par contre, non, j'ai une connerie en plus. Jeudi je serai pas là. Jeudi je serai pas là, ce sera Pixel avec Shin peut-être. Donc oui, j'allais dire une grosse connerie. J'ai 3 jours où je ne suis pas là, là, donc vous aurez un autre duo. Pixel et Shin qui s'est pas encore fait. Et en espérant que ça va être enfin vous allez aimer. Je pense que vous allez aimer. Allez, Sense, c'est difficile là pour Sense qui prend la double roquette d'Unko. Et c'en est terminé avec l'attaquant et Focus. Voilà, t'as ta réponse, Street. Et ouais, Tinker, là, je suis à l'aise. Ah, ok, d'accord. L'homme au pad, je vois. Allez, Soon qui fait premier kill sur Kaspa. Et là, il est bien, Soon. Il va essayer d'empêcher Sense d'atteindre Stevie. Allez, c'est puni sur Stevie. 2 points d'armure là pour Soon. Et voilà, c'est bien fait. Soon qui réussit son attaque. Et voilà, on va mettre ce point important, parce que là, si vous regardez bien, on est en balle de map pour la Somniac et on joue la défense. Et là, c'est un point toujours décisif pour le moral. C'est là où on se dit, merde, il faut que je mette absolument mon attaque. Allez, Soon qui met cette première roquette. Ça va être dur hein, pour Kaspa. Mettez-vous à sa place. C'était pas prévu comme ça. Allez, la touche d'Unko. Allez, c'est bien défendu là de la part des Insomniacs, pardon. La première map remportée par l'équipe de Soon, Unko et SLK. Et on va aller sur. Moi, je serai là en fait. Demain et mardi. Et je laisserai la TV aux commandes de Pixel mercredi, jeudi et vendredi. Et je vous retrouverai moi dimanche pour une autre Cup ESL. Allez, Soon.
On est sur Collided. Ah, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu. Et on a Sense qui est dans une pose un peu particulière. Allez, Soon pour l'instant, qui observe. Est-ce que ça charge toujours pour toi, Street? Est-ce que t'as toujours des problèmes? On a vu qu'il est sur Stevie. On a vu Sense qui est toujours derrière. Ah, c'est compliqué comme pose là qu'ils ont les high focus. Et voilà, Soon qui fait le deuxième kill. Et c'est bien suivi sur Caspa. Pas de problème pour Soon. La défense high focus. Je suis pas très fan là de ce qu'ils ont fait. C'est plutôt bancal. Et c'est très difficile pour Sense d'aller agresser directement le joueur, sachant qu'on est souvent en hauteur et qu'il y a des marches à monter. Là, je crois pas que ce soit la meilleure des solutions. Enfin bref. Allez, Sense qui va aller directement sur Soon. La première roquette de Soon qui passe bien là sur Sense. On est à 9 secondes. Tous les joueurs sont en place maintenant. Unko sur le pôle. Un point d'armure pour Sense, ça va être difficile. Et le break créé par les Insomniacs. Unko maintenant. On est à 2-0. Ça se passe plutôt bien pour l'Insomniac, la première touche de Sense. Est-ce qu'on va chercher l'agression là sur Sense? Et c'est pris. C'est pris, c'est même pas puni pour Sense, même pas une roquette. C'est très fragile comme position. Allez, mais pour une fois que ça se bat sur ce côté de la map, je suis assez surpris en même temps, plutôt content. C'est difficile là pour Caspa de revenir du coup. Unko qui a l'avantage mais largement. Et maintenant c'est à 3-0. Caspa qui s'élance. Et il va falloir peut-être changer ce genre de défense. Ça m'a pas l'air très au point. C'est peut-être une façon de tester pour eux. Mais tester en finale, c'est peut-être pas le meilleur des moments. Allez, Caspa qui tente le kill sur Unko. Allez, Caspa qui se trouve coincé là, face à Soon et SLK. Allez, ça passera pas pour Caspa qui était trop timide. Là, on aurait dit qu'il avait des bottes de plomb. Allez, on a 4-0, et c'est le cas. Est-ce qu'on va avoir un perfect du côté Insomniac? 3 attaquants, 3 attaques de mise. On va voir ça avec SLK tout de suite. Qui a observé hein, la défense depuis le début. Allez, Stevie. Et c'est pas puni pour SLK, Stevie qui s'en sort. Qui va mettre cette première roquette. Et la défense qui fonctionne face à SLK. 4 à 1, premier round pour l'iFocus. Ça restait très greedy hein, tout ça. Hein. S'il n'avait pas raté ses raids SLK, ça aurait été très vite. Allez, Stevie. Allez, c'est pas pris sur Soon. La bonne défense. Et on est encore acculé dans le coin. Les high focus qui ont vraiment du mal à trouver la moindre ouverture. Stevie qui a raté son raid dans le spawn. Et on aurait peut-être dû essayer de s'en sortir. D'aller chercher un autre move pour trouver une porte de sortie. Allez, Soon, qu'est-ce qui vient ses roquettes?
Ah, toujours cette défense très rapprochée, elle s'est prise sur Stevie. Les roquettes qui passent quand même pour Sense. On est une roquette présente là pour Soon. Allez, 2 points d'armure. Kaspa qui est sur son pôle. Et la roquette qui passe, très belle roquette. De la part là, du défenseur, il focus. Allez, les deux joueurs qui sont séparés. La Sense là qui est sur la gauche. Il va revenir près de l'arche. Allez, Soon là qui est... C'est dommage, on aurait pu tenter peut-être un move sur la gauche. Et Soon qui a préféré tenter... Attendez, j'ai mon casque qui s'est emmêlé. Tenter, voilà, de tomber pour aller faire un second kill. Allez, on est à 5-2. Là, les focus, ils ont gagné cette première map. Vous êtes bien là sur la finale de la Winter ESL Series. Là, les focus hein, qui sont deuxième du classement, il me semble. Allez, Sense qui tente. L'agression sur Unko. Pour l'instant, on ne trouve personne. La roquette d'Unko qui a essayé à toucher. Et le triple pump. Alors, je sais pas qui a tiré sur Unko. Je crois que c'est Soon. Il lui a mis 3 roquettes dans la gorge. Ah, c'était pas mal de voir ça. Il a dû bien se marrer. Ah, Unko. Première roquette de Kaspa là qui est bien rentrée. Ah, c'est bien vu ça sur Sense. Maintenant on n'a plus l'agression. On va être obligé de backup du côté focus à Stevie. Alors qu'est-ce qu'il faisait là Stevie? À se demander à Unko qui fait magnifique rail. Le dernier kill là. Et voilà, 7 à 2, 3 attaques mis côté iFocus, Insomniac. Et là, je peux vous dire que pour les iFocus, ça commence à faire mal. C'était un peu comme Red Star tout à l'heure. C'était pas facile, cette petite pilule à prendre. Mais tout est possible, on peut encore remonter si les iFocus, voilà, se remettent un petit peu dans la game. J'ai envie de dire qu'ils sont un peu effacés. Ah, il casse pas. Oula. Oula, les gros coups de lag. La roquette qui passe pas loin, on est bien caché. Allez, bonne roquette d'Unko là qui met une frappe là sur Kaspa. Est-ce que ça va prendre ce pôle pour l'instant? Ça capte pas, on est à 80% il me semble. Allez, c'est dommage pour Kaspa. Je crois qu'il y a eu des gros coups de lag. Je l'avais comme si c'est pas moi. Allez, c'est le cas. On est à balle de match pour cette finale. Les Insomniacs là qui peuvent remporter cette Winter ESL Series. Alors je sais pas si après il y aura une finale, etc. entre les 4 premiers, 3 premiers. Si quelqu'un a des renseignements là-dessus, SNS qui met de la triple touche sur SLK. SLK qui a du mal hein, dans ce match 0-1. C'est un peu faible là pour le joueur Insomniac. Qui a peur d'être dans ce match. Allez, on passe à Stevie. Allez, on a vu Soon, on va tenter de prendre le décal de Soon peut-être pour prendre la formation. On bouge pas du côté de la défense. La roquette d'Unko qui est passée dans l'oreille et c'est bien défendu. Là, c'est le cas qui met la doublette. Et alors c'était une map un petit peu molle là pour les iFocus. Ils étaient absolument pas dedans. On n'avait peut-être pas envie de gagner, comme t'as dit Sunaiki. Mais bon, ça c'est fait, voilà. Insomnia qui remporte la Winter ESL Series de ce soir.
9 à 3 sur la deuxième map. Ils ont mis un, donc un 2-0 au total. iFocus qui se retrouve donc deuxième. Et au niveau de la troisième place, je ne sais absolument pas ce qui s'est passé. Eh ben, ce sera du Coreplay contre du Red Stars. Et on va aller voir ça tout de suite. Le match de la troisième place qui est en train de se jouer. On a une première map marquée pour les Coreplay apparemment. Et on est sur Valet. Allez, Ward. A puni la part de Xenom. On a deux attaques de Soska. Une attaque de Legi. Les Red Stars qui sont en train de gagner sur, sur Valet. Allez. C'est maintenant Red Stars qu'il faut remporter là, cette troisième place. Ce podium. Soska maintenant à l'attaque. Il a fait un sans faute hein, depuis le début. De la hauteur là pour Soska, on va peut-être aller chercher Narwa qui est dans son couloir. Allez, Ward qui a fait le petit saut pour s'en sortir, c'est très bien vu. Et l'agression de toutes les roquettes qui sont parties là sur, sur Soska. On a lâché tout ce qu'on avait. Et c'est Khan maintenant qui s'élance. Khan qui est devenu le premier attaquant. Il me semble que ça change beaucoup hein. A mon avis, ça tourne selon celui qui est le plus ou moins chaud, je pense. Dans cet ordre-là. Allez, on l'a vu, Soska, pardon. C'est balle de map, hein, pour Restar, j'avais pas vu. Avec Khan en attaque, il va falloir défendre comme il se doit du côté Restar. Xenom qui met cette première touche. Et c'est le kill qui est pris sur Xenom. On réussit quand même à mettre sa deuxième touche. Plus qu'un point d'armure là pour Khan face à Soska et Legi. Et Legi qui fait le bon décal. La bonne roquette. La map qui est remportée par Red Stars. Et on va aller sur une troisième map, je pense. Et on va changer de serve pour la dernière map. Parce que la map est pas sur le serveur. Alors. Non mais j'ai pas mis mot de passe. Pourquoi il s'énerve là. Hop. Ah, c'est serré comme match, hein. Toujours
entre Red Stars et Corplay là pour la troisième place de cette Winter Series. Et c'est parti, on est sur Gunners. Et là, tout va jouer maintenant. Bon, il est 22h15, je peux encore gueuler un peu. On va en profiter. C'est bien, cette cup là qui s'est déroulée assez vite. Ça devrait être tout le temps comme ça. Ce serait cool. Allez, Soska. Premier attaquant là, de Red Stars. Première roquette de Narwhak. La défense hein, qui est mis du côté gauche pour les Corplay. Allez, deux points d'avion pour Soska. On a encore un peu de temps, 10 secondes. On a vu sûrement Khan ou Ward. Et c'est Ward qui est revenu sur le pôle directement. On a toute la défense là en place maintenant des Corplay. Ça va être difficile pour Soska. Il va falloir trouver un move magique pour aller chercher. Et c'est pris sur Khan. Beaucoup de rail. Allez, Ward qui met sa deuxième roquette. Ça va être difficile là pour Soska, voilà. D'aller chercher ce pôle. La première défense mis côté Corplay. Et c'est Narwhak qui va commencer son attaque. Allez, Narwhak pour une première roquette de Légie. Ça suit sur Xenom maintenant, un point d'armure. Ah, il s'est bien pris là sur Xenom. Mais il y a la bonne roquette qui est partie dans les Coronets de Narwhak. Et c'est du 1 partout. Pour cette dernière map, Xenom qui s'élance. Deuxième attaquant en Red Stars. Allez, sur la gauche, on a toute la défense qui est repliée. Comme tout à l'heure, il va falloir trouver des solutions. La première roquette de Ward qui passe bien là. Entre les mailles du filet. Le kill qui n'est pas pris. Attention, l'agression de tous les joueurs. Corplay sur Xenom. Allez, c'est dommage, là, il s'est un petit peu mis dans la panade Xenom avec ce move. Allez, c'est Khan maintenant. Les roquettes, hein, c'est en mode Star Wars, chaque début de round. On voit même plus la map. Khan qui va tenter d'agresser peut-être sur Xenom. Ah, on a vu Soska derrière pour l'instant. Des roquettes, Légie qui essaie de mettre des roquettes de soutien et ça passera pas. Voilà le kill qui est pris sur Xenom. Le bout de bras. Allez, Khan qui fait une bonne opération là, il n'y a plus que Soska maintenant en défense. Pour Red Star, ça va être compliqué pour Soska d'aller chercher sur Khan. Et la roquette qui est quand même passée. Mais voilà, Khan qui a pris son temps, qui a observé la défense Red Stars. Et c'est bien joué de la part de Khan. Qui met le premier round, la première différence pour les Corplay. Allez, Légie. Ah, il faut la creuser cette défense Corplay. Tout le monde est replié sur le même côté. Ah, il faut réfléchir. Des bonnes roquettes là qui passent hein, quand on veut agresser sur le haut. Et Légie qui reste en hauteur. On va essayer de prendre le kill là sur Ward. Allez, c'est pas passé. On a déjà Khan sur le pôle. Allez, ça lag un petit peu, j'ai l'impression. On va tenter le cap. La première roquette qui est passée, à la brochette qui passe pas. Et ça cap pour Légie. Qui réussit à revenir sur le score.
Allez, Ward. Face à Legi maintenant le duel. Les deux bonnes roquettes qui passent là. Legi et Soska, pardon. Oh, je me suis embrouillé. Allez, un point d'armure là pour Ward. J'ai l'impression que ça lag un petit peu, ou alors c'est moi. Mais ouais, il y a des montées de snap. Quelqu'un qui lag. C'est soit Ward, soit les, un des trois défenseurs Red Stars. Allez, c'est bien défendu là pour Xelom. Allez, c'est Soska, on est reparti. Deuxième cycle d'attaque. Allez, on a vu Ward hein, sur le top, qui lâche quelques roquettes pour ensuite redescendre très vite. Éviter de se Khan, pardon, éviter de se prendre un coup de rail malheureux. Et ça lag encore. Ça lag pas mal là dans le match. Peut-être Soska. Allez, Soska qui toujours pas de joueurs d'initiative là à prendre. On va aller chercher cette première attaque. Allez, c'est pas pris là sur Ward. Allez, c'est bien défendu des core play. J'ai l'impression que c'est Ward qui lag ou un truc comme ça. On va voir si ça lag un petit peu là pendant que Narwak attaque. Ça veut dire que c'est un mec de chez nous. Allez, Legi. Qui défend là, sur son côté. Allez, c'est bien consolidé de la part de Soska. Même si ça a été puni, on a Xelom au pilier. Attention là, pas être trop greedy. Deux points d'armure là pour Narwak. Qui peut le faire. Qui peut remporter ce round. Allez, Narbrasco 3 qui va prendre un peu de hauteur. Et directement chercher Legi. Allez, c'est bien vu là pour Narwak. La défense Oscar pour l'instant, qui est de Xelom par contre qui tient la route. Et les roquettes qui passent pas loin. On a une recharge des roquettes là pour Xelom. Et voilà. Narwak qui finit par prendre le kill. Petite mauvaise, coordination pardon, de la team Red Stars. Et on est reparti avec Xelom. Avec Xelom sur le côté droit, la première roquette de Ward. Avec Xelom, il ne se trouve pas d'opportunité là sur la défense. Core play. On a du mal à trouver quelque chose à faire. Ah, c'est pas pris la Laurel qui passe sur Narwak. Allez, on a vu Khan, on a vu Ward maintenant en défense. Et ça passera pas là pour Xelom. à 3 pour Corplay sur cette troisième map. Les Corplay là qui sont en train de dominer et d'aller vers la victoire pour aller sur ce podium. La troisième place de cette Cup ESL. Allez, c'est bien pris là sur Xelom. On a quand même réussi à lui caser une petite roquette à ce bon vieux Khan. Allez, Khan, deux points d'armure. On a pris un peu de hauteur. On va attendre le backup de Legi, peut-être. On a vu Soska. Et puis qu'un point d'armure là pour Khan. Attention, la roquette qui passe pas loin. Allez, Khanfark trouve une solution. Et ce sera pas le cas. Les deux roquettes de Soska. Qui viennent à bout. Et Legi, maintenant, qui décolle. Qui a mis l'attaque tout à l'heure hein, sur un cap
sur un cap, sur une cape un petit peu à l'arrache, mais des fois ça passe. Et on spamme bien là du côté corplay. Ligi qui va tenter une agression sur la grille, attention, et ça passera pas, le coup de rail assez dangereux là pour Ligi qui se trouve coincé à ce trois défenseurs. On essaye de move pour s'en sortir, mais c'est tellement difficile là avec cette défense triangulée. On est en crossfire, on en reçoit de partout. Et on est à 7 à 4. Les Corplay qui sont toujours à l'avantage hein, avec cette deuxième attaque de Narwak. Allez, Ward. Pour l'instant, on a pris deux roquettes de Xenom et Soska. Et l'élimination de Ward sur la grille. Malheureusement, la grille, hein, c'est très dangereux de s'aventurer par là si on n'est pas sûr de soi. Un petit peu le coup de poker. On est reparti avec Soska. Allez, Soska sur la gauche qui va tenter à nouveau de percer la défense là, des Corplay. Ah, il faut trouver une solution. On a vu Ward, on a vu Khan qui va bientôt revenir. On est à 10 secondes maintenant. La défense qui va pas tarder à faire son backup. Ah, c'est pas pris sur Ward. Allez, Rocket qui passe pas loin là sur Soska. On a resté safe quand même. 3 points d'armure maintenant. Le kill sur Khan, 2 cm. Allez, Soska avec un point de difficulté. Il faut qu'il trouve un kill quelque part. Ah, le saut de trop, Soska, il arrive à trouver la tête de Khan, mais ce genre de saut, généralement, c'est vite puni. Et on est sur une balle de match. Ah, je croyais que j'avais planté. Balle de match avec Narwak. Qui va essayer d'aller mettre cette deuxième attaque sur ce rune. Allez, Narwak, sur la gauche, on va peut-être aller à l'arche. On l'a vu maintenant et c'est pris sur les J. Ah, très beau coup de rail là sur le défenseur. Red Stars. Et Narwak qui fait une bonne opération. Parce que je suis derrière la grille. On va attendre peut-être le soutien de Soska sur Xenom. Et voilà, Soska qui met ses premières roquettes. On a eu Lucky sur Xenom. Et là, c'est très dangereux. Soska, dernier défenseur Red Stars face à Narwak, 2 points d'armure. On va voir ce que va faire Soska là pour essayer de défendre. Ouch! Ouch, Narwak qui fait un joli coup de rail là sur un décal magnifique et c'est la fin de ce match. Corplay là, qui remporte le match face à Red Stars. C'était très serré de peu là sur la troisième map. Et GG au Corplay qui monte sur le podium. Et c'est la fin de cette cup pour ce soir. Merci d'avoir été là, tout le monde. Merci, c'était cool. On a eu des beaux matchs ce soir. On a eu des beaux matchs, c'était plutôt bien. J'ai réussi à commenter jusqu'à la fin. Et bah écoutez, je vous dis à demain. À demain pour la E2G, Tournament, à 20h30. Avec un loser bracket et tout, enfin des petites modifications. Donc. Soyez au rendez-vous, inscrivez-vous, et voilà, on ira stream des teams qu'on voit pas très souvent en début de tournoi, et puis après, voilà, on ira progressivement, et ce sera peut-être avec Shin demain, ou peut-être avec quelqu'un d'autre, on sait jamais. Voilà, écoutez, passez une bonne nuit, une bonne soirée, merci encore à tous, n'oubliez pas de follow la chaîne et mon Twitch, si vous mon Twitter, si vous voulez avoir des informations sur les streams, etc. Et donc voilà, on se retrouve demain. Passez une bonne soirée, une bonne nuit et toutes ces choses-là. Voilà. Allez, ciao, ciao.
special edition. Rock and roll. It's ludicrous. Yeah. It's some 41, baby. Here's another one. Get back. Live studio audience. Another one. Yeet, yeet. Woo, woo. Why you all in my ear talking a whole bunch of shit that I ain't trying to hear? Get back, bro. You don't know me like that. Get back, bro. You don't know me like that. Yeet, yeet. Woo, woo. I ain't playing around. Make one false move, I'll take you down. Get back, bro. You don't know me like that. Get back, bro. So come on, don't get swung on, swung on. It's the knick-knack, paddywhack, still riding Cadillacs. Family off the street made the homies put the baggies back. I'm still stacking plaques, still action-packed. And dope, I keep it flipping like acrobats. That's why I pack a Mac, that'll crack a back. Cause on my waist it's more heat than the Shaq attack. But I ain't speaking about ballin', ballin'. Just thinking about crawling till y'all start falling. We all in together now, birds of a feather now. Just bought a plane, so we changing the weather now. So put your brakes on, caps, put your capes on. I knock off your block, get dropped, and have your face blown. Cause I'll prove it, scratch off the music. Like, hey, little stupid, don't make me lose it. Why you all in my ear, talking a whole bunch of shit that I ain't trying to hear? Get back, bruh, you don't know me like that. Get back, bruh, you don't know me like that. Geek, geek, woo-woo. I ain't playing around. Make one false move, I take you down. Get back, bruh, you don't know me like that. Get back, bruh, you don't know me like that. Caught him with an uppercut, kicked him in his. Sent him on his way, cause I ain't for that talk. And no trips to the county, I ain't for that walk. We split like two pins at the end of a lane. We'll knock out your spotlight and put an end to your pain. Put a DTP pendant at the end of your chain. Then put the booty of a switch at the end of a plane. Yeet, yeet, woo, woo. Why you all in my ear? Talking a whole bunch of shit that I ain't trying to hear. Get back, bro. You don't know me like that. Get back, bro. Like that, geek, geek, woo, woo. I ain't playing around. Make one false move, I take you down. Get back, bro. You don't know me like that. Get back, bro. You don't know me like that. Oh, hey, you won't run with me. I'ma tell you one time, don't with me. Get down, cause I ain't got nothing to lose. And I'm having a bad day, don't make me take it out on you. You won't run with me. I'ma tell you one time, don't with me. Get down, cause I ain't got nothing to lose. Bad day, don't make me take it out on you. Cause I don't wanna do that. I wanna have a good time and enjoy my jack. Sit back and watch the women get drunk as hell. So I can wake up in the morning with a story to tell. I know it's been a little while since I've been out the house. Now I'm here, you wanna stand around running your mouth. I can't hear nothing you saying or spitting, so what's up? Don't you see we in the club, man, shut the fuck up. Geek, geek, woo, woo. Why you all in my ear? Talking a whole bunch of shit that I ain't trying to hear. Get back, bro. You don't know me like that. Get back, bro. You don't know me like that. Geek, geek, woo, woo. I ain't playing around. Make one false move, I take you down. Get back, bro. You don't know me like that. Get back, bro. You don't know me like that. Uh-oh, we in the red light district. What? We in the red light district. Turn 41. Yes, and Ludacris. It's the rock and roll version. It's the red light district. Yes, it is. In fact, I'm in Jeff Jam, disturbing the peace. And we out. Lil Fate, baby, what up? That should be cool, man. Now all you gotta do is mix it down.